Bonjour, bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir le départ de Michael Viera Trautmann qui part pour le Tour de France. Oh merde, j'ai cassé la caméra. Remettez-vous droit, voilà. C'est le premier en France, au monde peut-être même, à faire un Tour de France en trottinette électrique. Donc on va aller le rejoindre là. Il fait son départ sur la place Kléber le dimanche 12 à 12h12. Ouais, il aime bien les chiffres un peu chelous comme ça. Ce qui est très cool aussi, c'est qu'on va passer à la télé. Vous allez voir, il y a France 3, il y a France Bleu. Ça va trop bien. Et dans cette vidéo, je vous emmène pour un petit bout de son Tour de France en trottinette électrique. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas de trottinette électrique. Alors c'est parti pour un flashback dans le temps pour aller essayer de trouver une trottinette électrique. Flashback, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes hier par rapport à tout à l'heure et on va chercher la trottinette. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Electron. Elle est à vous. Faites-vous plaisir, vous verrez. La souplesse est là. Merci beaucoup. Ah, j'ai ma trottinette. Allez, vroom, poum. Putain, ça a fait un wheeling, j'ai pas fait exprès. Oh, trottinette. Tada, voilà le bolide de la marque Xeridé. Une vitesse de pointe de 35 km/h. Une béquille qui est bien pratique pour la poser. Des freins disques en métal. Le petit protège en plastique pour les câbles. Un phare à l'avant. Et des petites bornes réfléchissantes sur les côtés. Une suspension avec un ressort de haute qualité. La petite poignée d'accélérateur et la poignée de frein. Un grip digne d'un skateboard pour ne pas faire déraper les pétons. Et maintenant, retour dans le présent. Rebienvenue dans aujourd'hui. Ça y est, on a le bolide. Par contre, avec cette trottinette, j'ai 25 km d'autonomie. Donc, c'est pas cette trottinette qui va faire le Tour de France. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour voir the trottinette qui va faire the Tour de France. Ta-da-da. Salut! Comment va? Ça va? Ouais! Ça peut être une petite vidéo comme ça. On va faire le Tour de France sur un délire, je me suis dit ça, et après j'ai réfléchi et je me suis dit non, mais en fait c'est pas une mauvaise idée. On est avec Captain aussi. Un mot à dire, Captain? Ouais! C'était beau. Armin, un mot à dire? Non, il a du courage, putain, 3 mois, tu vas gérer. 3 mois? Comment ça te revient à sa vie en faisant ça? Le sens, il est déjà là, je pense. Je sais que en rencontrant du monde, on apprend de chaque personne, de chaque histoire, on apprend, on évolue. En fait, pour moi, le voyage, c'est comme si on accélérait sa connaissance à, je sais pas, x3, x5, voire x10. Tous les jours, on apprend un message différent et il reste le message. Donc, c'est si génial. Le contact humain. On part dans 12 minutes, le stress à mort, c'est un truc de fou. Il y a un petit peu de monde, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, hein. 3 mois d'aventure, ça va être fou. Allez, 12h12, on est parti, place Kléber. 12h21, on arrive, allez, 200 mètres plus loin à la cathédrale. Et Strasbourg, c'est ma ville préférée pour l'instant du Tour de France. Salut tout le monde! À dans 3 mois! On vient de commencer le tour, premier arrêt. On a rejoint des gens sympas. On fait tester la trottinette. Un petit mot pour le Tour de France? Ouais. Bon chance. Aventure. Aventure. Ça, c'est un beau mot. Tour de France, on compte sur toi. Tu vas nous faire rigoler. Tu vas nous faire voyager. On sait que t'es bon. Et à bientôt.
L'histoire, l'idée du Tour de France, elle est venue il y a à peu près 8 mois quand j'ai fait l'acquisition de ma Dualtron X. Je me suis dit, waouh, 150 km d'autonomie. Après, je me suis dit, tant qu'à faire, on va aller visiter toute la France, ça va être génial. Et en fait, au début, je me prenais pas forcément au sérieux, mais je me dis, c'est une bonne idée en vrai, je serais capable de le faire. Entre temps, il y a eu le confinement, j'ai complètement mis en stand-by tout le projet parce que je voyais pas comment allait être l'avenir. Dès que les 100 km ont été levés, 2 semaines après, je suis parti à Lyon en trottinette électrique pour me dire, allez, on va découvrir ce que ça a fait de faire un bon voyage en trottinette. Et waouh, l'expérience, elle était complètement dingue. Tu rencontres des gens complètement au hasard, tu discutes avec eux, ils t'invitent à te charger chez eux. Après, ils disent, ça tombe bien, on va manger, vous allez manger avec nous. Le mec, il te dit, mais tu veux pas rester dormir à la maison, au pire, tu repars demain matin. Bon, j'avais encore 50 km à faire. Mais les gens tellement bienveillants, tu refuses pas. Chaque rencontre est une leçon. Mais la journée d'aujourd'hui, c'est juste dingue. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un choc émotionnel aussi intense. Merci pour tout ce que vous m'envoyez parce que c'est vraiment fou. C'est une énergie, mais tellement énorme. Je représente la zone, Michael Viera. DJ Timal, ça dit, avec ton petit 400cc, on fait un départ arrêté ou quoi? On essaye. Tu penses que c'est qui? Je fais confiance à ma bécane. Bon, effectivement, la trottinette n'est pas aussi puissante qu'un scooter. Bon, Michael Viera, 0, Timal, 1. T'as un mot à dire pour ta défense? Ouais, je suis pas à 100% de la batterie. Et les pneus, pareil. Donc moi, je veux une revanche au retour. Mais franchement, il est bon. Et en tout cas, on a une belle première étape. Belle petite soirée. Ouais, t'imagines, tout le Tour de France, c'est comme ça. On est bon là, on est parti, j'avoue. Sur 3 mois de bonheur. Ouais, excellent. Première version, la deuxième demain dans l'édition papier des DNA. Et donc je lui dis que je l'ai déjà fait, qu'elle a pas à s'inquiéter. Et elle me dit, c'est chouette, article publié à 12h50 et plus de 2800 vues. Je ne bosse pas que pour les clics, mais ça me fait vraiment plaisir. Dis coucou à YouTube. Coucou YouTube! Raconte-nous l'histoire de la grenouille caca et le renard. Premier jour de mon voyage, Strasbourg-Lyon. Je rencontre un gars vraiment super intéressant. Et ce gars-là, j'ai eu une discussion, je crois vraiment honnêtement, de 1h30. C'est marrant, ça me fait rire. C'est une fable, je crois. Une grenouille, elle se fait chier dessus par une vache. Elle est dans la merde, la grenouille. Et il y a un renard qui voit ça. Donc le renard, il déterre la grenouille du caca. Et la grenouille, elle fait « Ouais, cool, on m'a sauvé !» Et ben là, du coup, elle se fait bouffer par le renard. Donc c'est pour ça, pas faire trop confiance à n'importe qui. Dernière photo de groupe avant le grand départ. La star du jour, c'est lui, Michael Viera, pour un Tour de France de 4000 km en trottinette électrique. Aucun challenge sportif à la clé, mais une aventure humaine avant tout. En rencontrant du monde, on apprend de chaque personne, de chaque histoire, on apprend et en fait on évolue en fait. Son idée de Tour de France a germé il y a un peu plus de 8 mois et rien ni personne n'aurait pu l'arrêter. Tête brûlée. Ça, c'est ouf. Vraiment, il est tête brûlée. Dans le sens où il a un projet, il y va, il réfléchit pas. Et même si des fois ça casse, et si des fois ça passe, c'est tant mieux. Avec 19 kilos d'affaires, ils ont géré. Mais il compte également dormir chez l'habitant. Et j'ai déjà eu quelques propositions dans quelques villes. Pour cette première journée, ses amis proches l'ont accompagné. Mais ensuite, c'est seul qu'il découvrira les pistes cyclables et autres petites routes de France. Oh là là là! Mickaël, c'est quoi la première étape? Retourner chez moi, parce que je m'héberge moi-même. Première étape du Tour de France. En fait, mais j'allais pas partir de Strasbourg. Il a fait Strasbourg, sans rester à Strasbourg et vous présenter un petit peu mes amis de Strasbourg. Et alors, ma coupe de cheveux là, après 10 heures de casque. Voici l'équipe derrière Trottmann. Et il part au moment où je dis ça. Pourquoi il part? Viens, Mickaël, viens. Aujourd'hui, j'ai fait 42 km. C'était cool quand même, trop cool. Et on est passé à la télé. Bon, sinon, on va dire le au revoir à YouTube ici. N'oubliez pas c'est de souscrire. C'est la fin de la vidéo. Oui. Seulement un jour comme ça. Hop. Hein? Ah bien, ok. Bah ouais, pour moi. Elle est longue ou elle est courte? Vous me le dites en commentaire. Vous voulez des plus longues ou vous voulez des plus courtes? Attention, vous le faites pas trop travailler, hein. C'est lui qui monte. Je peux parler? Ouais. N'oubliez pas de souscrire à une très très bonne soirée et de passer un agréable abonnement à ma chaîne et à sa chaîne aussi. Ah ouais, il y a les deux. Il y a les petits macarons qui sont quelque part. Je sais pas de quel côté. Ah ouais. En non, pas sur ma tête. Ils sont là-bas. Là-bas. Bonne nuit, bisous.